forme de cygne. Comme il est grand et majestueux, il faut que j'aille raconter ça à Saphir. Saphir, réveille-toi, réveille-toi. J'ai vu un magnifique bateau cygne. Quoi? Un bateau cygne? Regarde. Il est fabuleux. Je me demande à qui il peut bien appartenir. Viens vite, allons le voir de plus près. Oh. J'aimerais tellement monter à son bord. Mais rien ne vous en empêche, princesse Saphir. Le grand-duc d'Uraldin l'a fait construire rien que pour vous. Je vous en prie, allez-y. Le grand-duc d'Uraldin, ça ne me dit rien qui vaille. Et d'un autre côté, ce bateau est le plus somptueux et le plus original que j'ai jamais vu. C'est un cadeau, ça ne se refuse pas. Bien, dans ce cas, je vais visiter l'intérieur. Ah, Saturnin, mon fils. J'ai un magnifique présent pour toi. Tu en as toujours rêvé. Un gâteau? C'est le cadeau le plus précieux qu'on puisse imaginer. Mon fils, demain, le royaume d'argent sera à toi. Le superbe bateau qui est amarré a été programmé pour une mission spéciale. Il conduira Saphir sur l'île des Roses Maudites. Qui est là? Ah, c'est vous. Tout est en place, grand-duc. Excellente nouvelle. Nous avons fini de programmer la trajectoire du bateau. Et sur l'île, tout est prêt pour l'accueillir. La princesse Saphir disparaîtra sur cette île déserte sans que personne ne le sache. Et tout se déroulera selon votre plan. Il ne vous restera plus qu'à vous emparer du royaume. Allez, et soyez prudents. Quoi de plus inoffensif qu'un cygne? Oh, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau! Oui, l'intérieur est aussi splendide que l'extérieur. Quel bonheur ce serait de voyager sur un tel vaisseau. Ce serait extraordinaire. Oh oh, le bateau navigue tout seul. Ce n'est pas possible. Il nous faut de l'aide. Aïeul! Aïeul! Que se passe-t-il? Saphir! Tenter quelque chose. Je ne t'abandonnerai jamais. Thibaut! Oh, bravo, Thibaut! Je suis heureux d'avoir pu vous rejoindre à temps. Une chance que je sois passé par là. Bah... Oh, oh là 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 là! Vous ne voulez pas venir vous abriter? Nous abriter? Mais de quoi? Oui, c'est vrai. Nous sommes très bien ici. Mmh.
Cette île est magnifique. Vous avez vu toutes ces roses? C'est tout de même très étrange. C'est la première fois que je vois des roses qui ne dégagent aucun parfum. C'est toute l'île qui est étrange. Allons faire une reconnaissance du terrain. Tiens, un tunnel de roses. Juste derrière nous. Pan, où es-tu? Tu m'entends? Pan! C'est pas drôle! Pan! Réponds-nous! Pan! Oh! Regarde les roses. Elles changent de couleur. Oh! Tout ceci est très étrange. Restons sur nos gardes. Regarde, Thibaut. D'où sortent tous ces chats? Cache-toi derrière moi, Saphir. N'aie pas peur, je te protégerai. Ils ne pourront pas t'atteindre. Je vais t'aider. Non, c'est aux hommes de se battre. Laisse-moi m'en charger. À nous deux, chats maléfiques. Attention, ils nous encerclent. Il faut que je retrouve Pan et Thibaut. Pan, Thibaut! Thibaut! Pan, Thibaut! Où êtes-vous? Répondez-moi! Pan, Thibaut, où êtes-vous? Pan! Saphir! Oh, Saphir, je suis contente de te voir. Ne bouge pas, je vais défaire tes liens. Merci, j'ai eu si peur. Je crois que Thibaut a été fait prisonnier par les chats lui aussi. Cette île n'est décidément pas une île ordinaire. Je suis désolée, tout est de ma faute. Je vais t'aider à le rechercher. Bien, mais soyons prudents. Cet endroit est dangereux. Oh, Pan! Ce fil d'araignée est solide comme une corde. Celle qu'il a tissée doit être énorme. Suivons-le pour voir où il nous mène. Thank you.
enfin revenu à toi, Thibault. Qui êtes-vous? Pourquoi m'a-t-on attaché? Qui je suis? L'homme araignée. Oh! Et je suis aussi le gardien de cette île. Il faut que tu saches une chose, c'est que mon maître m'a demandé de le débarrasser de la princesse Saphir. Et c'est dans ce but qu'il me l'a envoyé à bord d'un bateau. J'adore les cygnes. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle vienne avec son amoureux. Mais puisque tu es là, je vais me faire le plaisir de te tuer le premier. Alors c'était un piège. Tout était prévu depuis le début. Exactement. Mais ne sois pas trop triste. Tu n'auras pas à pleurer ta princesse chérie puisque vous allez partager le même sort. Chevalier fantôme? On m'a dit que vous aviez besoin d'aide. Ah, je n'arrive pas à la couper. Ce n'est pas du fil ordinaire. Pan, va chercher de l'eau. Oui. Et la princesse Saphir, que lui est-il arrivé? Ne vous inquiétez pas pour elle, la princesse va bien. Oh, je suis soulagée. Mais comment se fait-il que vous sachiez où elle se trouve? Quels sont vos rapports avec elle? Ce n'est pas le moment d'en discuter. Nous devons partir avant que l'homme araignée se réveille. Tiens, j'ai l'eau que tu m'as demandé. Verse-la sur les fils. Je suis libre. Vite, sauvons-nous. Hein? Le petit s'est échappé. Je vais te tuer. Ouf. Ouf. Oh, j'en peux plus. Courage, Pan. Il va nous rattraper. Continuez-vous. Moi, je suis trop fatiguée. Pas toi. Une seule petite entaille de cette dague, et c'est la mort assurée. Et voilà pour toi. Non. Qu'est-ce qu'il a? C'est le poison qui commence à faire son effet. Pauvre prince Thibault. Nous ne pouvons pas rester ici, il faut absolument sortir de cette forêt. Aide-moi, Pan. Tenez bon, prince Thibault. Vous me le paierez. En général, la nature est très bien faite. Là où il y a des monstres venimeux, il y a aussi des plantes antidotes. Cherche partout et trouve l'antidote à cet affreux poison. J'y vole. Oh, Saphir. Je suis là, Thibault. Oh, zut. Fier. La fièvre le fait délirer. Pauvre Thibault. Il n'a pas l'air de se rendre compte que c'est le chevalier fantôme qui veille sur lui.
courage, Thibaut. Saphir. Je suis là, Thibaut. Je veille sur toi. Sois tranquille. Merci. Merci, Saphir. Neutraliser le poison et le prince sera guéri. Tu t'es retransformé en saphir? Chut! Donne-moi vite la plante pan. Tiens, j'espère que ça va marcher. Voilà. Il ne reste plus qu'à attendre que ça agisse. Je ne veux rien savoir. Gardez vos explications. Certes, il n'était pas prévu que le prince Thibaut l'accompagne, mais vous êtes un tueur professionnel. Ne me dites pas qu'il est plus fort que vous. Mais la partie n'est pas terminée. Quand ce blanc bec m'a blessé, j'ai eu le temps de le piquer avec ma dague empoisonnée. À l'heure qu'il est, le venin a dû agir. Il doit avoir rejoint ses ancêtres. Je suis venu prendre livraison du corps de Saphir. C'est le marché que nous avons conclu. Est-ce qu'une petite blessure de rien du tout vous empêcherait de tenir votre promesse? Cette jeune fille est sur une île déserte et totalement à votre merci. Alors à présent, vous allez vous lever et la tuer avec ce fil dont vous êtes si fier. Allez! Où est Saphir? Elle n'est pas là. Pourtant, elle était ici, je l'ai vue. Elle m'a veillée toute la nuit. Pan a demandé à Singh de la ramener chez elle il y a bien longtemps déjà. Mais je suis sûr de... Oh, mais vous aviez beaucoup de fièvre cette nuit. Vous avez dû rêver. Non. Elle avait l'air si réelle. Nous allons réparer le bateau. Reposez-vous. Ça y est, le gouvernail fonctionne. Tout est prêt, on peut partir pour le royaume d'argent. Non, vous ne pouvez pas. Je vais te tuer, princesse Saphir. L'homme araignée. Tu portes de curieux vêtements, mais je suis sûr que tu es la princesse. Oh, je suis le chevalier fantôme. Qui que tu sois, tu ne quitteras pas cette île vivant. Je vous laisse vous occuper du petit, mes mignons. Est-ce que tu es prêt à te battre? Vos grimaces ne me font même pas peur. Regardez, j'ai de la bonne verveine sauvage pour vous. Tu vas mourir. Bon, est-ce que ça va? Oh oui, ils ont mangé de la verveine sauvage et ils sont calmes maintenant. Il a échoué. Ce chevalier fantôme, Pan et le prince Thibaut ne sont pas faciles à vaincre. Mais je ne renoncerai pas. Je finirai par tuer la princesse, et alors, le royaume d'argent sera à moi. Saphir, comme il était doux de t'avoir près de moi quand je souffrais, même si ce n'était que le fruit de mon délire fiévreux. Au fond de lui, il sait que je l'ai soutenu. Et c'est le plus important.